Effectivement, nous allons accueillir Ludovic Munusamy. So we welcome Ludovic Munusamy, a PhD student in economics at the Panthéon SS University in France. So you can come, yeah. Alors, donc moi, je vais vous présenter donc, la finance comme acteur de développement, croissance, décroissance, quel objectif pour demain et sur quel indicateur? Alors, depuis la COP21 et avec la crise liée au Covid, le rôle de la finance comme acteur de développement durable et long terme a été présenté comme un des enjeux économiques majeurs actuels. Depuis quelques années, c'est un sujet qui interroge de façon croissante, notamment depuis la grande crise financière de 2008. De nombreuses initiatives en ce sens voient le jour, et notamment le plan d'action pour financer la croissance durable de la Commission européenne de 2018. L'un des plus grands défis actuels est d'envisager les relations et les échanges internationaux sous une approche durable. Le monde a connu de très rapides bouleversements du fait du développement des nouvelles technologies, mais également sociaux, avec des préoccupations liées à l'environnement et à la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Pour inscrire une action efficace et durable, elle doit être globale et mondiale. Les entreprises y jouent un rôle central, et notamment le secteur financier. La question est de savoir comment la finance peut s'inscrire comme acteur de développement durable. L'encadrement de la finance, la fin de la finance décomplexée. La théorie de la régulation, née dans les années 70, n'a cessé de croître et de faire se renforcer en réaction aux multiples crises financières. La recherche de stabilité et de moralisation n'a jamais été aussi forte. De nombreuses réglementations internationales, européennes, nationales ont vu le jour en ce sens. Il s'agit des exigences de ratios prudentiels, de l'exposition aux risques et leur maîtrise, et de gouvernance, avec des réglementations baloises et solvency, où on va imposer justement des marges de capital. À cela s'ajoute la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ainsi que la lutte contre la corruption, dans le but de moraliser la finance. Les acteurs sont contrôlés par des autorités de tutelle qui ont pour rôle de veiller sur leurs pratiques. Le but est d'assurer une sécurité financière de la transparence et assurer la protection de la clientèle. Toutefois, certains doutent de l'efficacité de ces mesures pour lutter contre les crises. Alan Greenspan, l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, estime que les marges de capital, on a évoqué juste avant, sont bien des ressources dormantes qui pourraient être utilisées pour produire des biens et des services. Ce point de vue a déclenché un débat autour de ces marges prudentielles. Ces capitaux, exigés en fonction des risques et des engagements que l'entreprise doit couvrir, doivent-elles être considérées comme des ressources dormantes ou peuvent-elles rendre le système plus sûr sans avoir d'impact négatif sur la disponibilité de crédit? Ben Bernanke, également ancien président de la Fed, disait « La leçon que je tire de cette expérience n'est pas que la réglementation et le contrôle financier sont inefficaces pour contrôler les risques émergents, mais que leur exécution doit être meilleure et plus intelligente. En effet, pour cela, au-delà de la seule maîtrise du risque, il faut ajouter une dimension durable et anticiper les impacts qui en découlent à long terme notamment. Il faut donc trouver un juste équilibre entre une régulation efficace et un niveau suffisant d'investissement. Le sujet concerne les investisseurs, les gouvernements, les régulateurs, les organismes internationaux de normalisation, les bourses, les institutions financières et toutes les entreprises. Il doit être envisagé donc de façon globale, mondiale, au risque que la différence d'exigences réglementaires crée une asymétrie entre les acteurs. C'est ce que l'on observe entre les États-Unis et l'Europe aujourd'hui. Il faut donc privilégier des réglementations macro-prudentielles et non micro-prudentielles.
La politique macroprudentielle interagit avec de nombreuses autres politiques, comme la politique microprudentielle ou la politique monétaire. On peut observer des synergies, mais aussi parfois des conflits d'objectifs entre ces différentes politiques. A priori, la supervision microprudentielle travaille main dans la main avec la politique macroprudentielle. Cependant, des tensions peuvent apparaître, notamment en période de crise. Dans cette situation, la gouvernance microprudentielle inciterait les banques à accroître leurs fonds propres et restreindre l'octroi de crédit, alors que la politique macroprudentielle recommanderait aux institutions de diminuer les coussins de capital constitués pendant la période d'expansion pour éviter un rationnement du crédit et donc un ralentissement de l'activité. Ces interactions très fortes entre la supervision microprudentielle et la politique macroprudentielle plaident pour une organisation institutionnelle permettant le dialogue entre les superviseurs et, si besoin, les procédures de prise de décision. La politique monétaire a également de nombreuses complémentarités avec la politique macroprudentielle, puisque ces deux politiques ont tendance à se renforcer. Des mesures pour favoriser la stabilité financière participent à la politique monétaire en protégeant l'économie des perturbations financières. Réciproquement, la stabilité macroéconomique réduit les tendances procycliques du système financier, ce qui permet de limiter les risques systémiques. Cette interdépendance explique que les banques centrales aient un fort intérêt à promouvoir la politique macroprudentielle et qu'elles aient généralement un rôle prépondérant dans les autorités macroprudentielles. Le développement par la finance, la naissance d'une finance éthique et durable. Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission, la SEC, s'intéresse au sujet et a organisé une table ronde sur le court-termisme en juin 2019. L'American Prosperity Project, dirigé par l'Institut Aspen, a publié d'ailleurs en 2016 une étude qui montre que 3/4 des dirigeants des sociétés cotées refuseraient de faire un investissement utile sur le long terme s'il affectait trop, ne serait-ce qu'un seul trimestre de rendement. Les investissements socialement responsables ne s'opposent pas au rendement, mais à l'investissement court terme. Pourtant, ils sont perçus comme peu rentables en raison du risque et de l'incertitude liée à un horizon d'investissement lointain. Les actions entreprises actuellement le sont souvent dans une optique de diversification ou dans un but marketing ou d'image. C'est le concept du greenwashing. L'ESMA, donc l'European Securities and Market Authority, a publié en juillet 2019 un questionnaire sur le court-termisme lié au marché financier, qui a donné lieu à une cinquantaine de contributions. Les acteurs de la finance estiment que le marché doit comporter plusieurs horizons d'investissement et pas uniquement des placements long terme. Il faut alors tendre vers un modèle de finance durable qui intègre plusieurs horizons de placement. Cela est réalisable dans le sens où les investissements socialement responsables ont la particularité d'être des actifs qui tiennent compte de critères extra-financiers. Il faut alors développer une finance non prédatrice qui soutient l'économie réelle et les projets durables. Cela peut intégrer plusieurs durées. Il faut s'intéresser plutôt à l'impact de l'investissement. La finance doit être au service de la société. Et pour cela, l'entreprise joue un rôle fondamental. Bageo et Schumpeter ont beaucoup travaillé sur le rapport entre finance et développement économique. Goldschmidt vient ensuite prouver la corrélation positive entre la taille d'un secteur financier et la croissance économique à long terme, en étudiant notamment les données de 35 pays sur une période de 100 ans. Friedman et Robinson ajoutent que l'entreprise y occupe une place centrale lorsque l'entreprise mène la finance suisse. C'est donc l'entreprise qu'il faut mettre au cœur de la transformation de la société, notamment sur des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance, l'ESG. Cependant, ce n'est pas aux entreprises de porter seule cette responsabilité. Il faut un équilibre entre l'intervention du secteur public et privé. Il existe deux grands modèles de gouvernance d'entreprise. Le modèle actionnarial, le shareholder, plutôt court-termiste, et le modèle partenarial,
le stakeholder plutôt long-termiste. On évolue toutefois vers une convergence entre ces modèles en intégrant des externalités environnementales et sociales, de transparence, de communication d'informations financières et extra-financières, cela aboutissant à un modèle de gouvernance durable. Les offres en matière d'investissement socialement responsable, l'ISR, se développent, notamment en private equity, mais certains résultats restent décevants, comme les European Long-Term Investment Funds. Pardonnez ces problèmes techniques. Le système informatique ici d'Internet dans le plus bel amphithéâtre de France n'est pas forcément le plus optimal. 1315 milliards d'encours pour les autres approches ESG, soit plus de 21%, tels que les fonds thématiques ESG, les fonds d'intégration, des critères ESG, les fonds d'engagement, les fonds solidaires, les fonds d'impact investing. Si le niveau élevé de la collecte atteste de l'intérêt des institutionnels et des particuliers pour l'ISR et les fonds spécialisés sur les thématiques durables, une simplification et une uniformisation des labels renforceraient sûrement cet attrait. La décroissance, une idéologie qui revient à la mode, ces dernières années, renforcée avec la crise sanitaire et économique du Covid, de nombreuses réflexions émergent sur notre modèle actuel, sur sa pertinence, sa capacité à répondre efficacement et durablement aux problématiques de demain. La recherche de croissance et la surconsommation sont particulièrement montrées du doigt. La décroissance est un courant de pensée économique, politique et sociale qui s'est construit en réaction au système capitaliste pour en montrer les excès, notamment envers l'homme et l'environnement. Dans ce mouvement, qui prend racine donc dans les travaux sur les interactions entre environnement planétaire, croissance démographique et économique de l'humanité, donc dans les travaux du Club de Rome, créé en 1968 de Denis Meadows et d'autres chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, avec la publication en 1972 des limites de la croissance, également appelé rapport Meadows. Pendant une cinquantaine d'années, les théories de la décroissance vont se développer sous des formes variées autour d'acteurs comme André Gorz, Alain Jacquard, Serge Latouche ou encore Vincent Chesnais. L'idéologie poursuivie est de recentrer le développement de la société vers des valeurs humaines, sociales et environnementales en opposition à la recherche de profit et d'accroissement du capital, cela passant par une transformation du modèle économique de la croissance vers la décroissance. Ce n'est pas la croissance, mais nos modes de production qui sont à revoir. Le problème qui se pose ne réside pas dans la croissance, mais dans la production nécessaire à cette production de richesse qui engendre de la croissance et surtout la façon dont nous produisons. Un système très énergivore qui détruit et épuise les ressources aussi bien naturelles, énergétiques qu'humaines. On pourrait définir le mécanisme de l'économie réelle de la façon suivante. L'État offre aux ménages et aux entreprises des aides, des services publics et de la réglementation. Les ménages et les entreprises contribuent au système par le biais des taxes et des impôts, mais également aident à la construction sociale, économique et publique. La Seconde Guerre mondiale a fait naître l'État-providence. La crise du Covid fait émerger la notion d'entreprise-providence. Pourtant, le système économique est bien plus complexe et comprend un facteur primordial. La création de richesses implique la consommation de ressources. La production et la consommation sont corrélées positivement. L'enjeu est donc de déconstruire ce modèle et d'inverser la courbe en disruptant la chaîne de production de valeur. Pour cela, il faut tendre vers une économie non pas de croissance ni de décroissance, mais de mieux croissance, en limitant l'entropie et les intrants. La meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. Il faut donc tendre vers un modèle qui nous permet de soutenir notre croissance en réduisant notre consommation. Au-delà du volet technique ou technologique, cela nécessite d'adopter un comportement social plus responsable et moins court-termiste. Sur quels indicateurs voulons-nous baser notre développement ? Il faut se questionner aussi sur les indicateurs que nous utilisons et leur pertinence. Le PIB nous sert à mesurer la richesse d'un pays, mais qu'est-ce que la richesse ? Le capital détenu, le pouvoir créé,
Une solution de durabilité serait-elle de générer de la croissance, donc d'accroître son PIB, mais en réduisant sa consommation de ressources ou en utilisant une ressource renouvelable ? Il n'existe pas de vérité absolue, mais une vraie réflexion sur les métriques et KPI doit être engagée, notamment sur les interactions entre croissance et développement. Les théories de la décroissance sont souvent assimilées à un retour en arrière, une absence de développement. Il faut poursuivre le développement humain, la recherche scientifique, médicale, la connaissance, la technologie, l'art, le social et bien d'autres. L'homme ne doit cesser de se développer. Il faut redéfinir le sens et la place du travail, l'équilibre entre toutes les parties prenantes et raisonner de façon pluridisciplinaire en intégrant des éléments environnementaux et sociaux à nos politiques de développement économique. La question à se poser, c'est quelle croissance voulons-nous ? Le PIB, longtemps utilisé, a montré ses limites et ne constitue plus un indicateur valable pour une croissance humaniste. L'IDH correspond déjà mieux aux objectifs et contraintes d'une croissance durable. L'indice de performance environnementale, l'IPE, établi pour la première fois en janvier 2006 par des chercheurs des universités américaines de Yale et de Columbia, permet de mesurer et comparer les performances environnementales des pays et ainsi contribuer à l'amélioration de leur politique environnementale. À l'aide de 32 indicateurs de performance répartis dans 11 catégories de problèmes, l'IPE classe 180 pays sur la santé environnementale et la vitalité des écosystèmes en leur attribuant une note entre 0 et 100, 100 étant la meilleure score. Durabilité ou soutenabilité, développement durable ou développement soutenable, le terme même de durabilité doit être discuté. En anglais, on parle de sustainability. On ne recherche donc pas un idéal de durabilité, mais un objectif plus réaliste et donc réalisable de soutenabilité. Il faudrait donc préférer le développement soutenable au développement durable et de la même façon viser une croissance soutenable plutôt que durable. Quoi qu'il en soit, le modèle néo-capitaliste actuel s'essouffle et a montré ses limites. Nous devons repenser notre système économique et social et redéfinir nos indicateurs, nos modes de consommation et de production. Claude Schwab, fondateur du World Economic Forum, soutient que la quatrième révolution industrielle doit être axée sur l'humain et la durabilité. C'est un mouvement croissant qui s'opère et l'on peut observer d'un essoufflement du modèle néo-capitalisme l'émergence d'une certaine conscience sociale. Il faut toutefois poursuivre le développement économique, seul vecteur de progrès sociaux. Mais pour ce faire, il faut tendre vers une économie sociale de marché. En ce sens, la finance doit se porter vers des investissements générateurs d'impact. En français, nous utilisons donc le terme de durabilité, alors qu'en anglais, on parle de sustainability. Pour bâtir un avenir pérenne, il est donc plus vraisemblable de s'appuyer sur une finance soutenable que durable, car plus réaliste dans ses objectifs. Le problème qui persiste repose sur les métriques et la pertinence des indicateurs de développement pour mesurer l'impact des investissements. Il faut toutefois définir des objectifs clairs associés à des outils de mesure pertinents pour orienter les investissements avec plus de précision et ainsi permettre une action efficiente de la finance sur le développement. Un des piliers pour assurer les engagements pris à la COP21 est d'opérer une transition vers une économie durable. Quelles transformations devons-nous déployer pour assurer le monde de demain et comment opérer la transition? Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Ok, parfait. Alors, est-ce que vous auriez des questions? Do you have some questions? Laurent. Merci. Ben, merci beaucoup pour cette présentation, Ludovic, fort intéressante. C'est vrai que ce n'est pas facile de penser la question environnementale depuis le prisme financier, parce que dans je dirais, la pensée collective, le secteur financier est aux avant-postes d'une responsabilité lourde sur les effets délétères du capitalisme. Et donc, penser cela depuis le monde de la finance, c'est jamais simple. Alors, je note, moi, un point, c'est le mieux croissance, comme on parle du mieux consommé. Et je me demandais si finalement ce mieux croissance, ce mieux consommer, est-ce que ce n'est pas aussi une figure rhétorique? Et est-ce que tout ça finalement ne nous interroge pas sur tout simplement le rapport de l'homme à l'argent
C'est un vieux débat qu'Aristote avait soulevé avec ce qu'il appelait la crématistique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à repenser là-dessus? Je pense notamment à un texte célèbre du siècle des Lumières, qui s'appelle la sagesse de Candiaronc, où un natif, à l'époque on disait un indigène, avait dénoncé le fait que l'homme blanc était pollué par l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à faire ici également sur le rapport de l'homme à l'argent? Voilà, tout simplement. Tout à fait. Et je vous rejoins d'ailleurs sur ce point. Merci Laurent pour cette réflexion. Dans cette notion de mieux croissance, il faut effectivement s'intéresser sur la définition même qu'on peut faire du mieux. Qu'est-ce que le mieux? Donc, on va définir déjà des indicateurs, c'est-à-dire comment le mesurer, comment. Donc c'est ce à quoi je faisais référence quand je parlais notamment d'investissement à impact. Effectivement, maintenant, il y a des investissements dits ISR, donc des investissements socialement responsables, mais concrètement, quel est l'impact réel de ces investissements? Est-ce réellement un mieux? Tout est question de point de vue, tout est question aussi de mesure. Donc, il y a un vrai travail à faire. Donc, c'est quelque chose d'assez récent encore aujourd'hui. Hein. Donc, sur les indicateurs qu'il va falloir positionner, donc les outils de métriques, hein, on va devoir positionner pour mesurer ces impacts. Et ensuite, la question aussi du rapport à l'argent. Donc, dans le modèle capitaliste, effectivement, on considère qu'on peut générer de la richesse par le travail et par le capital. C'est la raison pour laquelle on a tendance à vouloir l'accroître un maximum, ce capital, donc générer toujours plus de richesse. La vraie question, donc, sans aller non plus sur les théories de la décroissance, qui est pour le coup le phénomène inverse, c'est de se dire, avec cette idée de mieux croissance, que faire de ce capital? Que faire de cette richesse accumulée par les nations d'année en année? À quoi la louer? Et c'est vraiment sur ça qu'il faut mener une réflexion. Donc, elle est clairement pluridisciplinaire. Hein. Le droit, l'économie, la finance est bien trop lacunaire et pas assez complète pour répondre seule à ce grand questionnement. Donc, c'est un questionnement qui est global, qui est mondial et qui est nécessairement pluridisciplinaire et qui prendra sans doute du temps. C'est aussi la raison pour laquelle je parlais de transformation. Et d'ailleurs, c'est dans les attendus de la COP21, cette opération d'une transformation, puisqu'effectivement, on arrive aujourd'hui au seuil du modèle qui préexistait aux différentes crises qu'on est en train de vivre et aux crises qui s'annoncent. Nous avons d'autres questions. Quelqu'un a d'autres questions? So, thank you very much, Ludovic. Merci à vous.